en remerciant tous les panélistes pour leur présence cet après-midi et pour leur exposé extrêmement fouillé et instructif. Et j'en veux pour preuve le grand nombre d'interventions que nous avons entendues à la suite des exposés. Merci infiniment aux États qui sont intervenus pour faire part de leur expérience. Et au nom de l'OIM, cela nous réconforte compte tenu de l'action que nous menons dans ce domaine, et ce, bien entendu, avec votre aide. Je peux vous garantir que à l'OIM, nous sommes tout à fait décidés à renforcer notre action dans ce domaine, mais avant tout à protéger, à aider et à donner davantage de moyens aux migrants qui seront touchés par la dégradation environnementale et par le changement climatique. Et nous continuerons à travailler à vos côtés avec l'initiative Nansen, avec d'autres initiatives, notamment le groupe des pays vulnérables et autres initiatives qui existent au sein de la Convention cadre sur le changement climatique, sur la désertification et d'autres. Et nous suivrons avec énormément d'intérêt ce qui se passera au Pérou et par la suite en France. Merci infiniment et je prie le Président de m'excuser pour ce dépassement dans cette réunion débat. Merci beaucoup.